Bonjour à tous, nous sommes le 31 mars 2021, c'est parti pour cette nouvelle mise à jour sur Sarcebble. Donc là, on doit parler à Noisette. Non, me dis pas vos noms, ça va me revenir. Est-ce que c'est Melissa Berry? Oui, j'ai eu bon, heureuse de vous revoir. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle mission. Je dois protéger tous les papillons. Les papipons. Attends, les pa... Oui, bon, en fait, j'ai directement lu les papillons alors qu'elle galérait. Et les rassembler dans le village des crins, mais mes pattes sont trop petites pour les attraper. J'ai essayé de grimper dans les arbres, mais j'ai perdu l'équilibre en essayant de me pencher et je suis tombée dans le lac. Tu vois les papillons, ils ne devraient pas être là. Il y a des oiseaux, des araignées, des chauves-souris, et tu sais ce qu'ils font? Ils mangent les papillons. C'est pour ça qu'on essaie de les ramener dans le village où ils sont en sécurité. Je ne suis pas très douée pour les attraper. Bon, ça va être une nouvelle course. Tu peux attraper des choses plus hautes grâce à ton ami le cheval. Tu veux bien m'aider à récupérer les papillons pour que je puisse les relâcher dans le village? 150 d'XP, donc ce sera une quête quotidienne, et on gagnera également une décoration de crinière en plume. Et on gagnera 20 de réputation avec les sylvans. Oui, donc c'est une nouvelle course avec Noisette. Et en plus de ça, on a aussi des autres décorations à acheter dans le shop, enfin dans un des shops village d'écran, donc on ira voir ça juste après. Oui, ça me rappelle juste le soul riding en fait. C'est un peu le même principe. On passe juste près des papillons et ça les attrape. Il y a quand même une grosse portée. On passe assez loin quand même et on arrive quand même à les attraper. Et puis il y a du rab, il n'y en a pas 20 tout pile sur la plaine, du coup c'est assez rapide à aller chercher. Avec ces deux courses, ça nous fait 300 XP récoltés auprès de Noisette. Je revérifie, hein, mais il me semble que oui. 150 et 50, la réputation. Et 150 et 50. Bah voilà, c'est nickel. Je la refais hors caméra et après on va voir les boutiques. Alors j'ai trouvé une partie des décorations à plumes. Là on a des roses et jaunes, voilà, donc qui vont sur la queue et sur la tête du cheval. Et des vertes et jaunes. Franchement, je suis pas fan. On va rapidement aussi regarder la récompense qu'on a eue. Ah, là, elles sont belles. Du beige et du blanc, ça passe avec tout. Ah ouais, stylé. J'aime beaucoup les plumes qu'on a eues en récompense, par contre. Et on va regarder dans les autres boutiques de réputation, parce que là, ça en a déjà une. Je crois que c'est celle des Sylvains. On va essayer de regarder les autres, si je les retrouve, hein, parce que moi, les sens d'orientation, faut pas trop compter sur moi. Là, il y en a une autre avec les fameuses plumes blanches et beige, donc si vous voulez l'ensemble c'est ici, il faut aller voir. Écoutez, je suis pas très emballée par cette mise à jour, je dois vous avouer. La course ça fait de l'XP en plus, c'est même pas une course, c'est hyper simple à faire, c'est juste des espèces de collectibles sous forme de quête bleue. Mais j'avoue que le shop, enfin les nouveautés dans les shops, je suis pas vraiment fan des petites plumes. Je sais même pas si je vais réussir à trouver l'autre shop, bon, j'ai quand même essayé. Le dernier avec les guerriers c'est ici. Ah, et j'aime bien aussi les plumes des guerriers. Donc au final, c'est juste la sylvain, c'est un peu trop coloré, ça va pas avec tout. Mais les plumes des guerriers, je vous avoue que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a moyen que je finisse par m'en acheter, hein, honnêtement. Parce que c'est sympa comme décoration, donc j'aime bien finalement. Je suis contente. Voilà. Sinon, bah, c'est déjà la fin de cette mise à jour, parce que bah, c'était tout en termes de nouveautés. La semaine prochaine, on aura les Finnhorst qui arrivent, enfin les chevaux finnois. Ou les Finlandais, voilà. Il y a deux façons de les appeler. Donc écoutez, on se retrouve la semaine prochaine et je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre tout de même en cette courte mise à jour, pas très intéressante. Ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours des gens pour regarder.